Je suis Sylvain Monobari, le titulaire de la chaire d'excellence Diasporas africaines et transculturalité de l'Université Bordeaux-Montaigne. Cette chaire est un dispositif de recherche financé par la région de Nouvelle-Aquitaine qui est co-dirigé par mon collègue Sylvain Arapo, qui est dans la salle, qui est géographe. Et qui a commencé ses travaux depuis le mois de septembre. Dans le programme de la chaire, nous avons un cycle de conférences. Ce cycle de conférences a commencé avec notre collègue de l'Université d'Ottawa, Abdoulaye Gueye. Et nous allons continuer aujourd'hui, peut-être de manière un peu plus locale, puisque Marfal nous parlera surtout de la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. Marfal est sociologue, il a publié de nombreux ouvrages. Notamment, je vais citer quelques-uns de ses ouvrages. Les principaux, et ce qui cadre bien entendu avec notre problématique. Donc, il a publié Les Africains noirs en France, des tirailleurs sénégalais aux Blacks, chez l'Armatan en 1987. Il a également publié Le Bordeaux des Africains aux presses universitaires de Bordeaux en 1989. Il a publié la présence africaine à Bordeaux de 1916 à nos jours, en 2011. Et plus récemment, son dernier livre, c'est L'universalisme républicain à l'épreuve, en 2023. Marfal est sociologue, je l'ai dit, mais à côté de la sociologie, ou parallèlement à son activité d'enseignant-chercheur et de sociologue, il est peintre. Un peintre qui s'est, si j'ai bien compris, spécialisé aussi sur la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. J'ai regardé ce matin ses expositions sur YouTube. Je vous recommande d'ailleurs de les regarder. Il a des très très belles toiles. Quand on lit Marfal, en tout cas quand on suit un peu l'évolution de ces différentes recherches, on peut dire, du point de vue historique, que Marfal s'est dès le départ intéressé à la présence africaine en Nouvelle-Aquitaine. Une présence qu'il a documentée, notamment dans le premier texte des Africains noirs en France. Qu'il a documenté et avec un focus sur la Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, mais d'une manière un peu plus générale sur les différentes phases de cette présence africaine depuis le XVIIIe siècle, si j'ai bien compris. Donc, du XVIIIe siècle à nos jours, avec un très beau chapitre d'ailleurs sur les tirailleurs sénégalais, parce que j'ai appris énormément en disant ce texte sur les tirailleurs sénégalais, la présence des tirailleurs sénégalais en Gironde, par exemple. Et je suppose que Marfal va continuer, va approfondir et va nous présenter un peu à la fois son expérience de chercheur, mais aussi son vécu. Parce que Marfal est citoyen de Bordeaux depuis 1974, et donc il y a à la fois. On va entendre à la fois la voix du chercheur qui a pour objet cette présence africaine, mais aussi le vécu d'un citoyen de Bordeaux et surtout d'un artiste. Tout de suite, je vous cède la parole voilà. Merci d'être là. Et je voulais d'abord commencer par vous remercier à la chaire d'excellence de la diaspora africaine.
pour votre invitation. Bien sûr, je voudrais aussi remercier les personnes qui sont présentes dans la salle. D'être là, bien sûr. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui ne sont pas dans la salle, qui n'ont pas pu se présenter pour des difficultés liées au changement d'horaire de la conférence. Je vais essayer de vous présenter quelque chose. La présence africaine et plus généralement la présence noire sur notre territoire aquitain, autour de deux blocs essentiellement. Le premier bloc, c'est un bloc, je vais faire un bref historique de cette présence-là, à travers un certain nombre de figures qui me paraissent importantes, les figures les plus significatives, les plus importantes dans la construction de la conversation qui a commencé dès les années 1900 et qui continue aujourd'hui, y compris aujourd'hui dans notre conférence. Il y a aussi des moments très importants qui me paraissent significatifs aussi aujourd'hui, des thématiques auxquelles sont confrontées notre société contemporaine, la société française, la société aquitaine, notre environnement, etc. C'est des thèmes qui sont liés, me semble-t-il, à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui a été beaucoup discuté dès le début de cette présence africaine et présence noire de façon générale. Le premier bloc, les deux blocs, c'est en termes de présentation, mais les deux blocs sont liés, bien évidemment, parce qu'on va retrouver avec des temporalités différentes, mais des choses qu'on a observées, qu'on a recensées dans le premier bloc, qu'on va retrouver dans le second bloc, c'est-à-dire dans la société contemporaine, avec les enjeux qui traversent notre société, la société française. Et le premier bloc, ça va aller très vite, ça part des tirailleurs sénégalais jusqu'aux indépendances africaines de 1960. C'est-à-dire une période qu'on peut résumer, me semble-t-il, par quelque chose de très fort. C'est une période très marquée par ce que quelqu'un peut l'on connaît quasiment tous, qui s'appelle Aimé Césaire, appelle la situation coloniale. On est sous la domination coloniale. Cette longue séquence, elle me paraît importante. Et Césaire dit, d'abord dans le discours sur le colonialisme, plus tard, de façon plus véhémente, parle notamment au congrès de 1956, le premier congrès des écrivains artistes noirs organisé à Paris par présence africaine dirigée par Ali Bilodeau. Césaire, dans son propos, il termine plutôt son propos, il dit « Laissez entrer le peuple noir sur la grande scène de l'histoire ». Pourquoi Césaire dit ça? Césaire dit tout simplement que l'histoire de la colonisation, c'est un processus de spoliation, de dépossession des cultures et des communautés africaines de leur culture.
Mais c'est aussi un processus, et ça c'est intéressant, qui met hors du territoire de l'histoire l'Afrique et les sociétés africaines. Hors du territoire de l'histoire. Et donc, on va voir dans ce premier bloc que les mobilisations que les populations africaines qui sont présentes en, ici dans notre, sur notre territoire, les actions que ces populations vont mener, tout ça va contribuer à faire en sorte que ces populations-là, qui sont alignées quand même au continent africain, s'inscrivent à travers leur mobilisation dans le temps du monde. Ça veut dire quoi? Dans le temps de l'histoire. Dans la condition humaine en tant que telle. Et moi, je vais essayer de montrer assez relativement rapidement qu'est-ce que cela veut dire dans cette période. Bien sûr, pour moi, je ne fais pas l'impasse, bien sûr, sur l'esclavage, la traite, le rôle de Gorro et tout ça. Bien sûr que j'y reviendrai un peu plus tard dans le second bloc, parce que c'est devenu un axe de mobilisation des populations, etc. Mais j'ai choisi de partir de dater la présence africaine à partir de la présence du Tirail sénégalais. Et je vais aller très vite. Ce qui m'intéresse fondamentalement dans cette présence, au-delà bien sûr de la contribution à l'effort de guerre, y compris sur le plan économique, et sur le plan de la mobilisation, de l'investissement, et puis bon, la guerre, des pertes humaines, etc., etc. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que pour moi, c'est le premier contact des Africains sur le sol métropolitain, à la métropole de l'Empire. C'est le premier contact et les tirailleurs sénégalais vont entrer en contact avec, les populations locales, avec les administrations, etc., etc. Et il y a quelque chose quand même qui émerge de ce point de vue-là, qui me paraît intéressant à discuter, c'est que là, mais certains tirailleurs, pas tous bien évidemment, vont se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Ils vont se rendre compte que les promesses qu'on leur avait tenues lors du recrutement, ces promesses-là, encore une fois, ces promesses-là ne seront jamais tenues. Et ça, il y a une sorte d'amertume, de ressentiment, ce qu'ils ont appelé quelquefois la tête de sang. Et à partir de là, il y a une sorte de conscience politique, sociale, qui naît autour de ces tirailleurs mobilisés qui vont intervenir. On va pas rentrer trop dans les détails de leur mobilisation et tout ça, de leur fait d'armes et tout ça. Et ce qui me paraît important aussi, étant le prolongement de cette mobilisation, c'est ce qui se passe plutôt dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, Bordeaux, la ville de Bordeaux, la région, et surtout Bordeaux, va être quand même un point de passage de au moins trois figures importantes d'un mouvement qui est en train de naître, dont le premier congrès s'est tenu en 1919 à Paris, qui est le congrès panafricain. D'accord? Et il y a trois figures. Il y a la figure, je vais aller très vite, mais on en discutera sûrement. Il y a la première figure, c'est la figure de Marc Kodjo Tuvalu, un Dahoméen qui arrive tout jeune, qui à Bordeaux, qui fait ses études secondaires, ensuite il va à Paris et il devient avocat, et qui crée une association très importante qui s'appelle la Ligue universelle de défense de la race
noire. 1926, l'autre figure qui était arrivée, pour aller vite, c'est Lamine Senghor. Qui, Lamine Senghor, qui est un ancien tirailleur démobilisé, etc., qui fonde ce qu'on appelle, ce qu'il va appeler le comité de défense de la race, non pas noire, mais de la race nègre. Et ensuite, c'est Temoko Garang Kouyaté qui prend la suite, qui va fonder la Ligue de défense de la race nègre. Et ces gens-là, dans le contexte de l'époque, dans l'entre-deux-guerres, ont su créer, à la fois, ont tenté de créer des syndicats, des véritables syndicats nègres, et ont créé et des revues et des journaux, et ont rompu avec leurs parrains de l'époque, notamment le Parti communiste français, avec la CGTU, etc. Et à l'époque, il fallait le faire. Et ce qui est aussi très intéressant, quand on lit justement les archives départementales, les archives municipales, quand on a accès aux journaux de l'époque que ces gens-là ont créés, mais ces journaux font une large part aux luttes à la fois des Noirs aux États-Unis, parce que figurez-vous que Marco Bueno sera présent à New York au congrès de l'association de quelqu'un qui est une figure très importante du panafricanisme qui s'appelle Marc Garvey. Et donc, il y a une circulation des idées. Et l'essentiel des cadres, aussi bien du comité de défense de la race nègre que de la Ligue, c'est essentiellement le recrutement. Les cadres sont recrutés essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et on a retrouvé la trace dans des villages très reculés de l'Afrique de l'Ouest, des journaux de la Voix des Nègres, etc. Et ça me paraît important. Autrement dit, c'est que ces gens-là, dans cette période-là, très très difficile, ont montré, c'est plus que valorisant, du point de vue de leur objectif principal, qui n'était pas seulement d'inscrire les Noirs ou les Nègres, comme on disait à l'époque, dans l'histoire, c'est de faire la promotion, de la condition humaine. Et ça reste voilà, pour aller vite. Et dans le prolongement de ces divers mouvements, on va voir à Paris, etc., la revue du monde noir, Légitime Défense, etc., avec un personnage aussi qui était très, très important sur le plan local, pas que sur le plan local, c'est aussi René Maran. C'est René Maran, puis donc pour 1921, et tout ça. Et il y a eu des difficultés, je pense que l'année dernière, 5e anniversaire, pour lui donner le nom là, de la bibliothèque de Bacalan. Enfin, il y a un souci de ce point de vue. Pour ce que René Maran a représenté à bien des égards, y compris pour la ville de Boclo, le rayonnement de la ville et tout ça, ce sera peut-être dans la discussion un peu plus tard. Et, bon, il y a non pas une parenthèse, mais il y a l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec des choses extraordinairement défaitables, mais aussi des faits de résistance. Il y a la revue Entrave dans le Lot-et-Garonne, à l'Union-sur-Loire, qui a consacré un numéro spécial sur la résistance dans le Lot-et-Garonne et le rôle des anciens combattants.
Mais ça, c'est très important, ça, à savoir, me semble-t-il. Comme s'il y a, quelquefois, pour certains, ça l'oubli s'installe très vite. Et donc, moi, ce qui m'a... Et enfin, pour clore relativement provisoirement ce premier point, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette ville qui s'appelle le Congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est incroyable. Il y en a qui contestent l'existence de ce congrès à Bordeaux. J'aimerais bien, s'ils sont dans la salle, qu'ils osent lever le seul petit doigt. Le congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, et tout le monde sait ce que la Fédération des étudiants d'Afrique noire représente comme cadre de socialisation politique, cadre de formation, pas que des élites. C'est en décembre, c'est du 30 au 31 décembre 1950. Ah bon? Il y a eu, dans le cadre de la préparation du sommet qui devait, Afrique-France, qui devait se tenir sur Bordeaux, des gens qui ont contesté la véracité de la création de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France à Bordeaux, qu'ils osent continuer à nier l'importance justement de la présence africaine sur Bordeaux. Ça me paraît important Donc, en résumé, ce qui me paraît intéressant par rapport à ce premier bloc, c'est que les thématiques de l'époque que des gens, ils étaient des marins dockers, il y a une peinture superbe d'un peintre bordelais qui s'appelle Georges de Sonneville, qui marque la présence justement de ces marins dockers. Ces gens-là, ils n'étaient pas tous des intellectuels, des lettrés et tout ça, mais ce sont des gens qui ont construit des outils politiques et intellectuels qui nous rapprochent à eux dans notre construction, dans notre parcours en tant que citoyen, en tant qu'individu et tout ça. Et ça me paraît important d'en discuter. C'est-à-dire que pour moi, le détour par l'histoire est nécessaire pour mieux appréhender les obstacles qui se présentent dans le difficile chemin de la construction de la modernité africaine noire à Bordeaux et dans la région. Ça me paraît important de le souligner. Et je vais aborder le deuxième bloc. Moi, je l'appelle de l'immigré au minoritaire. Le deuxième bloc, parce que bon, l'immigration subsaharienne, elle démarre véritablement en 1963. Parce qu'il y avait le patronat français avec peur des conséquences de la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc, le patronat français est allé directement, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour recruter les gens. Et les indépendances, il y a des accords entre la France et les États africains, et tout ça, c'était relativement aisé et facile. Et les immigrés subsahariens, quand ils arrivent, ils ont un projet. Le projet initial, ce n'est pas de rester vivre définitivement sur le sol africain ou métropolitain, et tout ça, ou français. Hexagonal. Ils sont venus pour travailler. On ne migre pas pour ne rien faire. Ce n'est pas vrai. On migre pour travailler. Et
leur séjour dans le projet initial, c'était quelques années, le temps d'économiser, d'épargner, etc., et de rentrer dans leur pays d'origine. C'était ça, le projet initial. Pas autre chose, pas autre chose. Ce sont d'abord des hommes seuls, célibataires, en tous les cas, ici, même s'ils étaient mariés et tout ça, dans leur pays. Et ils vont essayer de reconstruire, des groupes primaires, de solidarité primaire, à travers les repas, à travers le logement collectif, etc. Des groupes premiers de sociabilité, d'entraide, etc. Mais ça, c'est là. Mais on a déjà étudié ça. Mais aux États-Unis, avec l'immigration des Polonais, des Italiens, etc. Mais en France, il y a un retard énorme du point de vue des études en sciences sociales sur la question de la migration. Et donc, ces gens-là, parce que certains sont analphabètes, ceux qui sont analphabètes n'ont pas les codes pour entrer dans cette société, ne serait-ce que provisoirement. D'autres qui ont eu, par exemple, sur le plan religieux, qui sont des catholiques, ont été accompagnés. Ici, on connaît des familles qui ont été accompagnées par des paroisses catholiques, etc., qui s'entrent progressivement dans la société française. Et donc, les modes d'insertion entre quelqu'un qui est analphabète en français et quelqu'un qui a une socialisation préventive en français parce qu'il a payé l'école, etc., c'est pas la même chose. On ne déborde pas les choses de la même façon. Et donc, ce qui apparaît, encore une fois, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Donc, l'immigration, les migrants subsahariens ne sont pas un groupe social homogène, mais il y a par commodité, on va parler des Africains et tout ça, comme si c'était une communauté fermée, close sur elle-même, etc. Et donc, du point de vue de la sociologie, il faut justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conduites que ces populations ont dans le rapport avec les Français et puis dans le rapport entre eux, etc. Et nous, on a essayé, à travers des enquêtes au long cours, d'essayer de comprendre les enjeux et comment expliquer que les gens dont on a pensé qu'ils ne voulaient pas s'intégrer, qu'ils ne voulaient pas s'insérer parce qu'ils sont tout le temps ensemble, entre eux, etc. C'était pas ça. On a compris que c'était le fait de se retrouver, c'était ni plus ni moins pour atténuer le choc de la transplantation dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les codes en tant que tel. C'est ça la question fondamentale qui est posée. Et c'est réconfortant quand on y de se retrouver, de ne pas se retrouver seul. De toute façon, il y a des pionniers, il y a des... Voilà, donc accompagne, qui accueille, qui aide, etc. Et donc, tout ça, on a essayé de travailler là-dessus pour comprendre comment les choses fonctionnent du point de vue des migrants. Et pour moi, ma lecture à moi du mouvement, du processus migratoire, ça se termine, en tout cas ici, sur le territoire aquitain. Le provisoire se termine quasiment dans les années 80. Le provisoire, il devient structurel. Il devient structurel
Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas que ce sont des hommes seuls qui venaient, à la force de l'âge, qui venaient travailler, tout ça. Mais avec, depuis 1974, justement, avec l'arrêt officiel de l'immigration de main-d'œuvre, on va favoriser le retour, la loi Sturluson, etc., c'est des soulèvements. Et Giscard et tout ça, c'est prendre 10 000 balles et casse-toi et tout ça, et rentre au pays. Les gens ont pris 10 000 balles, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Et là, mais bien sûr, et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient la possibilité d'aller et de venir se sont dit, on n'a plus la possibilité de voyager comme on dit. Comment on faisait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir leurs femmes. Parce que du point de vue de la société française et de l'État français, c'était des célibataires. C'était des célibataires, ils n'avaient pas de vie de famille, etc. Alors ils allaient visiter leurs femmes tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Et c'est avec l'arrivée des femmes, avec la naissance, la reconstruction de famille, la naissance d'enfants, etc., que le visage de l'immigration va changer. L'immigration change de nature. On n'est plus dans une immigration provisoire, on est dans une immigration de peuplement. Et c'est ça qui change. Comment on peut le visualiser, ce changement? À travers la mobilité résidentielle, les premiers migrants, quand ils arrivent, ils habitent dans un habitat insalubre, dans des taudis, dans des tubes de transit. Là, dans les segments les plus délabrés du parc privé, le parti. Et là, avec l'arrivée du parc, la reconstruction des familles, il y a une mobilité résidentielle qui se mesure à l'entrée justement des familles dans le parc social. Mais dans les segments les plus délabrés du parc social. Moi, j'ai fait une enquête en 80, de 92 à 95 pour la direction régional de l'équipement et pour la direction départementale de l'équipement sur le droit des immigrés, on a visualisé là où habitaient les immigrés, y compris dans le parc social. C'est dans les segments les plus délabrés. Et aujourd'hui, on peut mesurer progressivement la mobilité résidentielle des familles immigrées qui, certaines, sont passées du parc des segments les plus dégradés du parc social sont arrivés dans les segments de standing, certains ont accédé à la propriété, etc. Et ça se mesure. Ça se mesure aussi le changement dans le mobilier des familles. Il faut rentrer dans les familles pour observer comment ces familles-là, elles sont installées durablement, pour ne pas dire définitivement. Avec le mobilier. Ça a un sens. On ne se trimballe plus avec des canapés qui sont lourds. Ça a un sens. Et quelque chose d'extraordinairement important, quand on regarde les impayés de loyer dans le parc social, rares sont les familles africaines qui ne payent pas le loyer. Le premier poste, c'est le loyer. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Et donc, là, il y a une stabilisation de ces familles-là dans la société. Et ils ont des enfants. Et il y a le taux de fécondité des femmes subsahariennes qui a largement baissé. Ça, les démographes l'ont mesuré, etc. Ça, c'est important, ça. Et quand on fait des enquêtes, quand on pose des questions aux femmes, on leur demande si est-ce que
les femmes se sont autonomisées progressivement à travers l'alphabétisation, le permis de conduire, le sexisme, etc. Ce qui n'a pas fait beaucoup plaisir aux hommes d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Il y a la féminisation de ce qu'on appelait l'immigration subsaharienne. Elle a été fondamentale dans la modification des conduites sociales de ce groupe qui n'est pas, qui est loin d'être homogène. Moi, ce qui m'intéresse pour le plot provisoirement, c'est que la rupture, c'est milieu des années 80 jusqu'à les années 90 avec des actions que jusqu'à maintenant, je vois ici des gens qui font énormément, qui ont des initiatives très importantes du point de vue de la mobilisation des diasporas africaines, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et ça me paraît important. Mais le changement véritable, me semble-t-il, c'est l'émergence de la catégorie jeune. Même si ces jeunes-là, moi j'ai fait une enquête relativement récemment, en 2018-2019-2021, j'en ai fait 2020, mais là c'était pour le compte du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, sur les Sénégalais, machin. Et ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est que les jeunes, de par leur conduite, de par les questions qu'ils posent à la société française, à travers notamment ce qu'ils vivent comme racisme, discrimination, etc., qui sont documentés par exemple, ont besoin de se rapprocher. Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai constaté, ont besoin de se rapprocher de leurs aînés qui ont largement, à travers leurs initiatives collectives, individuelles, associatives, politiques, sociales, etc., ont ouvert la voie. Et il est, me semble-t-il, souhaitable qu'on puisse, en tous les cas, aborder dans notre conversation la question de l'actualité de l'émergence d'un acteur social qui serait constitué des diasporas, des diasporas africaines en tant que tel, mais qui s'articulerait autour du lait, à la fois sur le historique, mais aussi contemporain, parce que bon, je pense à l'initiative, par exemple, des collectifs, mais qui est portée aussi par des individus. Je pense au Journal national des diasporas africaines. Je pense aussi à Mémoire et Partage. Je pense aussi à ACAPI. Je pense à des initiatives individuelles comme celle de Kadou Diaspora. Je pense à tout un tas de choses. Il me semble que là, moi, et en tout cas, c'est à travers mes enquêtes, ce qui me revient, c'est qu'il est temps qu'il y ait un espace de confrontation de points de vue des uns et des autres, un espace apaisé, mais frontal sur les enjeux fondamentaux que connaît. Et aujourd'hui, les enjeux fondamentaux que nous exprimons ce soir, c'est les enjeux d'une minorité, qui est la minorité africaine et la minorité noire, qui doit se vivre et s'entendre comme une hybridation aussi. Parce que ça fait nos enfants qui sont nés ici, de parents africains ou autres, bah,
ils sont nés ici, ils sont français, etc. Même si on leur dénie, il y a le déni de francité avec l'histoire des Français, des familles et tout ça, il me paraît important de trouver un cadre, peut-être que la chaire de Gaspard pourrait permettre à ce qu'il y ait de grandes rencontres, mais des débats, de confrontation de ce qui existe et de nous appeler. Merci beaucoup. Merci Monsieur Marfal pour cette à la fois cet exposé mais aussi ces témoignages. Ce que je retiens, c'est la réalité de ces deux blocs. Vous êtes donc vous êtes parti de la présence des tirailleurs sénégalais finalement à ce que nous on appelle les Afropéens, c'est-à-dire des enfants nés en France, de nationalité française. Vous avez un terme qui est sorti, celui de l'hybridité, du métissage, à la fois biologique et culturel. Et finalement, peut-être, comment se positionner par rapport à ce que vous avez appelé le leg. Ces racines africaines, mais aussi la réalité dans laquelle ont vécu ces jeunes, qui n'est plus du tout la réalité africaine, c'est une réalité française. Et donc, ces jeunes, contrairement à la génération des tirailleurs sénégalais qui avaient des racines ancrées sur le continent africain, ces jeunes ne partagent plus du tout la même vision, même de la vie, ils ne partagent même plus du tout la même perspective. Ils sont, pour ainsi dire, chez eux et ils devront trouver leur place quelque part ici. Et d'ailleurs, vous avez écrit, et je vous cite, « L'Africain d'hier et d'aujourd'hui, l'homme de demain, ne définit plus son identité à la source, à la terre. Il est désormais situé dans l'entre-deux de l'immigration, jamais totalement de quelque part, entre départ et arrivée, étranger, familier, défini par le passage et le mouvement, une certaine perception d'un état fuyant et d'une relativité permanente. » On retrouve vraiment dans cette citation que j'ai retrouvée dans l'un de vos ouvrages, la complexité de cette identité que nous on appelle afropéenne, c'est un terme assez moderne pour restituer un peu la situation de cette génération assez particulière. Donc, je vais tout de suite passer la parole au public. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la présentation, à la conférence de Marfal. Donc, on va prendre un certain nombre de questions, et puis deux ou trois questions, et puis Marfal va revenir. Donc, parole au public. Merci. Tout d'abord, avant de formuler ma question, quelques propos liminaires. D'abord, pour remercier le musée d'Aquitaine, dont je suis Pierre de Gaëtan, JICAM, élu à la ville de Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Je remercie le musée d'Aquitaine parce que son accueil, j'allais dire, reconforte la vocation qui a été toujours le sien, d'être un lieu d'interprétation citoyenne. Et le moment que nous venons effectivement de vivre, et qui va se prolonger par nos échanges, en est le puissant témoignage. Ici même au musée d'Aquitaine, et je me souviens, en regardant Mme Chantal Gauthier, que c'est ici, siège de la mémoire de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, que le groupe de travail Afrique, n'est-ce pas, développer, si j'allais dire, cette relation entre, effectivement, Bordeaux, sa présence africaine et sa relation avec l'Afrique. Et s'agissant de la présence africaine, c'est même
avec la ville de Bordeaux et le musée d'Aquitaine, que Mafalde, en fait, que je découvre Mafalde dans un ouvrage pas très souvent évoqué, mais ô combien fondateur aussi de, ton, de ta contribution de pionnier, qui est Présence des Belges, présence africaine, présence des Belges au port de la Lune. Voilà, présence des Belges au port de la Lune, travail que tu as coordonné avec quelques autres figures, n'est-ce pas, importantes de cette présence africaine à Bordeaux. Je remercie également cette initiative, je salue cette initiative de la chaire. Félicitations pour son nouveau titulaire, parce que ça renvoie aussi à l'importance, tu l'as évoqué rapidement, l'importance aussi des initiatives qu'on peut prendre, j'allais dire dans l'ombre, parce qu'il y a à peine 4 ou 5 ans, lorsque nous avions dans une réunion à Sciences Po Bordeaux avec le ministère de l'Enseignement supérieur, n'est-ce pas, à Bordeaux Métropole, nous étions effectivement dans une réunion où nous préfigurions effectivement cette chaire avec l'implication financière de Bordeaux Métropole. J'étais très loin, n'est-ce pas, d'imaginer à cette réunion-là qu'on arriverait effectivement à ce qui est aujourd'hui cette chaire diaspora africaine de Nouvelle-Aquitaine. Et donc je voudrais remercier par là aussi la région, hein, qui a effectivement, par son soutien financier, monsieur le président de la région, faire en sorte que cette initiative que nous avions prise, n'est-ce pas, ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Sciences Po et le ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien, consolider cette démarche de la chaire, et merci à la région. Revenons maintenant sur notre échange. J'ai besoin de poser la question à Mar. Peut-on envisager, et là je vais sur la perspective que tu ouvres, qui est très intéressante, parce que l'intérêt, effectivement, de ton intervention, c'est cette ouverture. Cette ouverture, mais peut-on effectivement se passer des archives? Où en es-tu, n'est-ce pas, avec le projet des archives, n'est-ce pas, de cette présence africaine? Je pense que c'est important, effectivement, de travailler à la non-discontinuité, n'est-ce pas, et surtout des mobilisations. Je crois que ça, c'est important, parce que si la dynamique de cette présence doit être répétitive, effectivement, il y a un problème. Donc, cette question de l'archivage, n'est-ce pas, des mobilisations, est importante. Autre chose, ce qu'on a pu constater, en tout cas, moi, de là où je commençais à m'intéresser à ces questions, au cabinet de la Juppé, c'est que l'université de Bordeaux, à de rares exceptions près, ma chère Chantal, l'université de Bordeaux, d'ailleurs sur la question de la traite de l'esclavage, hein, c'est le problème qu'on a eu hein, quand on a commencé à travailler sur ces questions, l'université de Bordeaux n'avait pas toujours pris tout son rôle, toute sa contribution. Heureusement, les choses évoluent. Je voulais savoir effectivement, selon tes études ou tes enquêtes, où en est la présence africaine. Quand je dis présence africaine, pas simplement la présence des Africains, mais la présence de la question africaine au sein de l'Université de Bordeaux. Parce que je me rappelle, moi qui suis de formation juridique, et j'en termine par là, que c'est quand même à Bordeaux qu'on préparait les concours d'agrégation en droit, en économie, voire en médecine, etc. etc. Bon, je passe sur voilà, je crois que c'est important aussi qu'une ville à vocation universitaire qui a autant accompagné l'émergence des élites, y compris africaines, effectivement, serait bon mort, en tout cas, de cette dimension de la présence africaine, n'est-ce pas, au sein de l'université. Je vous remercie. Merci. Deux questions sur les archives. Il est clair que là aussi, je pense que il y a un travail qui est nécessaire, qui est vital, et que certains ont commencé, mais qu'il s'agit quand même d'organiser de façon scientifique, à travers, me semble-t-il,
l'organisation d'un comité et avec les bonnes volontés, mais ça ne suffit pas les bonnes volontés. Parce que les archives, quand j'ai évoqué les trois figures que sont Marc Kondo-Ndoualou-Gueno, que sont Lamine Senga, que sont Tshenkoko Garambouyaté, il y a des archives, mais à la fois qui vont des archives de ça s'appelle de la France d'outre-mer, c'est des noms, des villages, machin. Mais il y a des archives municipales, il y a des archives départementales avec des rapports de police, mais tellement détaillés sur les lieux qui sont fréquentés et sur une description quasiment physique des personnes qui fréquentent ces lieux, les débits de boissons, etc., tout ça, les réunions, les machins, etc. Et c'est dans les archives municipales et départementales. Mais il y a aussi des archives privées, plus récentes, notamment sur les actions que les uns et les autres ont menées depuis les années 80, les affiches, il y a eu toute une filmographie, etc., etc. Et à mon avis, ce serait intéressant, ce serait même vital, de créer quelque chose qui se passe autour du travail sur les archives. Il y a les archives privées, là, il y a les archives associatives, ça paraît aussi important. Il y a vraiment un travail colossal et qui est nécessaire pour moi. De mener et je pense qu'il faudrait, je ne sais pas qui c'est qui pourrait lancer cette opération-là, ce serait vraiment salvateur du point de vue à la fois de la connaissance et du point de vue de l'éclairage des questions contemporaines. Des questions contemporaines. Parce que bon, l'histoire de la bagarre aujourd'hui contre les discriminations, contre la préférence nationale. On est en 1932, c'est dans le journal L'Humanité qu'apparaît pour la première fois l'expression préférence nationale. C'était pas dans les livres fascistes, c'était dans L'Humanité. Dans le journal L'Humanité. Et bien sûr, et ça veut dire quoi? Ça a un sens, ça. Et exhumer ces archives-là, notamment c'est le numéro de L'Humanité qui parle pour la première fois de préférence nationale par rapport à l'embauche des marins et dockers sur le quai de Bordeaux. On parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Et ça, ce serait intéressant, me semble-t-il, y compris de mettre la main dessus et puis de valoriser, de diffuser, etc., etc. Et donc, il y a, bon, c'est un chantier qui me paraît important à envisager. Le second point, c'est sur l'université, le champ académique, avec la question de la présence africaine. Mais il est clair, avec la chaire, la chaire est quand même chantier depuis, je ne sais pas, depuis quelques temps. En tous les cas, en termes de représentativité et tout ça. Et on sait très bien aussi, bon, je sais que je vais me fâcher, mais je n'en ai rien à faire, et avec pas mal de monde, il est évident que la question africaine, elle est traitée ou elle est mal traitée dans le champ académique. Ça, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que la présence africaine qui est maltraitée, c'est que les thématiques, déjà autour de l'immigration. L'immigration, ça a toujours été considéré comme un objet mineur dans le champ académique. Et aujourd'hui, vous le savez sûrement, les débats autour de la question raciale
dans la société française, sont, les débats sont très vifs. Et aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'il y a une permanence de la question, tous ceux qui parlent de l'intersectionnalité, tous ceux qui parlent de sont voués au génie, sont attaqués, parce que derrière, c'est comme si on attaquait l'universalisme républicain. Évoquer la question, les discriminations ethno-raciales, c'est forcément s'attaquer à l'universalisme républicain. Et aujourd'hui, ce qui est à travers les études postcoloniales et décoloniales, c'est la question des subalternes qui est posée, la question de la domination et des modes de domination qui sont posés. Et le champ académique français est très remonté par rapport aux études postcoloniales et décoloniales, qu'il considère comme étant des études qui viennent d'Amérique, etc., et qu'il y aurait par là une américanisation forcée de la société française. Et donc, mais sur les chercheurs africains qui étaient aux États-Unis, etc., on va pas venir là-dessus, et sont maltraités partout, etc., ou indiens, ou sud-américains, tout ça. Et vous n'avez qu'à lire Le Monde du week-end dernier, il y a tout un papier là-dessus, il y a 3 pages sur machin, tout ça. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est souvent les anciens africanistes, des gens qui ont travaillé en Afrique, sur les sociétés africaines, qui contestent la légitimité d'une réflexion sur les nouveaux contours de la société française qui, me semble-t-il, ne recoupe pas tout à fait les mêmes contours qu'habituellement. Oui. Je vais te passer. Bonjour, merci beaucoup pour ce temps d'échange et de parole. Je suis Marie-Myriam, je suis conteuse. J'ai fait du collectage à Mguéror, canton de Thiès. J'étais au séjour d'une dizaine d'années de ma mère là-bas. Et je raconte donc tant d'inspiration de collectage vif que d'inspiration littéraire, notamment tout de Ken Bougoul et même surtout de Manu Ampatéba. Je me suis penchée récemment sur la biographie de Suzanne Roussy-Césaire et sur le salon des Sœurs Nardal à Paris. Ici, pour la présence africaine bordelaise, vous avez surtout évoqué le groupe d'hommes, dockers, ouvriers, marins, et vous n'avez évoqué les femmes qu'au moment du regroupement familial. Je me suis Giscard d'Estaing. Et je me pose la question, puisqu'il y a quand même eu des intellectuels, des lettrés, comme vous avez nommé sur l'Université de Bordeaux et sur la sphère bordelaise, où sont les femmes à ce moment-là? Y a-t-il une dynamique identique au Salon des Sœurs Nardal à Paris, qui a pu accueillir notamment Aimé Césaire, qui est tombé amoureux là de Suzanne Roussy? Faut-il attendre le regroupement familial pour que les femmes puissent être accueillies en France? Et donc, trouverons-nous des traces de cela dans votre témoignage et aussi dans les archives? Merci. Oui. Bon, j'ai évoqué dans le premier bloc la revue du Monde Noir avec les Sœurs Nardal. Lors du congrès constitutif en 1950 ici, dans la ville de Bordeaux, de la Fédération de Burkina Faso, il y avait deux femmes. Deux. Non. Hein?
Non. Pas tous les noms en tête. Mais je pouvais les trouver relativement facilement. Ça, c'est... Il y avait deux femmes qui venaient et de Montpellier et de Toulouse. Mais je ne me souviens pas de tous les noms. Je me souviens de plusieurs noms. Hein. Mais bon, il y a. Et moi, ça m'avait marqué. J'ai parlé aussi du congrès de 56 à Paris. Il y avait 52 hommes et plus une femme. Mais non, mais dans le mouvement, dans le mouvement d'étudiants, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, il y avait énormément de femmes. Et beaucoup de ces femmes-là étaient des Dawéens. Une des femmes s'appelle Solange Paladé. Ça me revient. Solange Paladé. Et donc, mais il y avait aussi, à cette époque-là, bien sûr que surtout les hommes qui mais pas parmi les marins et les dockers, bien sûr qu'il n'y avait pas de femmes, même s'il y a des femmes dockers en Afrique, bien sûr. Mais ici, sous la présence, y compris à travers les peintures, j'ai évoqué le nom du peintre bordelais Georges de Simonville, on ne voyait pas de femmes. Et la première famille africaine constituée en tant que telle, c'est en 1931 à Marseille. À Marseille. D'accord ? Et donc, bon, mais progressivement, mais dans le mouvement étudiant africain, en France, il y avait énormément de femmes qui ont joué des rôles très très importants, bien sûr, on en connaît, bien sûr. Voilà. Mais sur le. Est-ce que c'est le décide de je sais pas, il y a des... Oui. Bonjour monsieur, merci pour cette invention très riche. J'avais une petite, on va dire, objection à votre définition l'européanité, de ces entités-là, en fait, plurielles, assez ambiguës, de ces jeunes qui sont nés en France et qui ont des racines africaines. De fait, pour ma part, je suis afro-européenne puisque je suis née à Bordeaux et que mes parents ont immigré à Bordeaux dans les années 90. Mais en fait, j'ai effectué un de mes tout premiers voyages, on va dire, sur ma terre d'origine il y a un mois. Et je vous assure que c'est pas ambigu du tout. pour ma part, c'est pas du tout ambigu. Je me suis informée de quand j'ai atterri en fait à Bangui sur l'aéroport et que j'ai vu la forêt équatoriale, j'ai dit non. J'ai compris que c'est là-bas que je dois être, en fait. Donc, de fait, comme je dis, oui, j'ai la nationalité française et je suis née à Bordeaux. Mais cette expérience change une vie, est bouleversante, pour plein de raisons. Certes, la beauté des paysages est présente, mais c'est toute l'historicité. Moi, je viens de ton histoire, et tout ce que ça charrie, en fait, en histoire, tout ce que ça charrie en information, tout ce que ça charrie en témoignage, tout simplement. Et donc, moi, j'étais particulièrement frappée. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément étudié à l'école.
quand on parlait de la colonisation, c'est que de base, le continent africain, le continent européen, en tout cas pour la Centrafrique ou les pays qui sont en Afrique centrale, c'est tellement loin de Bordeaux. Enfin, je veux dire, on ne nous raconte pas qu'il y a deux siècles, ces gens-là ont pris voilà, des navires, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas toutes ces, enfin, toutes ces techniques de communication et d'information. Et c'était là, certes, mais le fait qu'on a des navigateurs bordelais, de Nantes, Marseille, qui sont arrivés un beau jour sur les rives de Lubangui, ça n'a aucun sens, vraiment. Donc vraiment, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que ces deux cultures qui sont fondamentalement différentes, et qui n'avaient pas à se côtoyer mes premiers degrés. Enfin, quand on y pense, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est complètement, parfois, par le fruit du hasard, pardon, que ces gens-là se sont rencontrés. Donc voilà, tout ça pour dire que, en allant là-bas, je me suis rendu compte de tout l'importance, encore plus, parce que je fais des études d'histoire, mais je me suis rendu compte en fait, de l'importance de l'information, l'importance de se réapproprier son histoire, l'importance d'en parler, l'importance de faire des conférences comme cela, l'importance encore d'en parler, parce que c'est fondamentalement important, pas forcément pour apprendre des informations par cœur pour les recracher, mais c'est aussi pour l'identité, d'identifier ce qui constitue un être humain. Donc voilà, j'ai été totalement renforcée dans mon identité en voyant là d'où je viens en fait, de où j'irai. Ah, vous avez la réponse ou pas, je vais vous. Oui, bonjour, Marc. Tu as parlé de en 1930 sur l'humanité. Bon, moi je suis fils d'Ouvrier. Mon beau-père est arrivé en 1930 à Marignac, l'Algérie était française à l'époque. Mais comment te dire, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de dockers subsahariens et quelques arabes, mais ils travaillaient toujours en dernier. C'est ça. C'est ça le truc. Il faut savoir qu'il y avait quatre postes d'embauche et il y avait des flics. Il y avait des flics pour l'embauche. Pour travailler, ils attendaient que tout le monde soit servi et eux, ils se tapaient les cubes et les sacs de 120 kilos. Alors bon, et c'était géré par la CGT. Oui, absolument. Voilà. Mais bon, vive la France. Alors, bonjour Marc, bonjour Sylvain. Un certain nombre de questions à te poser que nos discussions quasi quotidiennes depuis plus de 20 ans n'ont pas réussi à mais je vais me contenter de deux. Si j'ai bien compris l'exposé brillant que tu nous as délivré, on peut comprendre l'immigration africaine, je dis bien africaine, en Nouvelle-Aquitaine en termes de strates. Et comme toute strate, ce sont des couches qui partent des tirailleurs jusqu'à l'immigration actuelle sur laquelle je voudrais revenir. Et comme toute strate, il y a des mouvements tectoniques qui se font confronter les différentes strates-là à travers les âges et surtout à travers les générations. L'idée que je n'aimerais pas avoir en partant d'ici, c'est qu'il y ait une communauté très homogène. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. J'ai aussi, quelque part, une inquiétude, une déception aussi. Je sais qu'il existe ici à Bordeaux des associations. Tu as cité Mémoire et Partage, à Gafi. On peut aussi citer l'Institut culturel africain, dont le représentant est là. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'absence de dynamique collective. Il n'y a pas de dynamique collective. Il y a plutôt des chapelles qui se tirent entre les pattes.
pour des raisons de graines ou de je sais très bien quoi, n'arrive pas à former une action collective, une dynamique collective capable d'entraîner ces populations-là, je ne dirais pas vers un but commun, mais en tout cas vers une dynamique, comment dire, qui le soit collectif. J'aimerais bien que tu m'expliques. Qu'est-ce qui peut, de ton point de vue-là, expliquer cela? D'autre part, je voulais parler de la question des jeunes, mais Sylvain et Madame m'ont devancé. Je vais passer à autre chose, mais vous devez rester sur ce que je suis en train de te demander. Je trouve que dans l'exposé que tu as fait, il y a un angle mort. Mais alors, vraiment un angle mort. Allons du côté de la victoire, du côté de la vie Élie Ntaack. Voilà une autre strate de la migration africaine à Bordeaux. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de travailler là-dessus. Ce sont tous ces jeunes-là qui viennent de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, qui ont traversé le Sahara, le Ténéré, survécu à l'enfer du bien à la Méditerranée. L'actualité noire africaine aujourd'hui à Bordeaux, je pense que c'est d'abord et avant tout eux. Et j'aimerais avoir ton sentiment, ton point de vue sur cela. Merci. Merci, Barra. Est-ce qu'on prend, vous voulez répondre peut-être, ou on prend notre question? Une autre question? Non, mais je peux répondre. Merci beaucoup. Ah bon, vous pouvez parler si vous avez... Ça va être une question très courte que j'aimerais bien poser sur l'actualité. Ma question, c'est que vaut aujourd'hui la présence africaine en Aquitaine et en France de manière générale, du point de vue institutionnel et politique. Quand on se réfère à l'actualité aujourd'hui, on parle de la loi d'immigration, on voit l'évolution des mots quand on parle de la présence africaine ou quand on parle de l'immigration. Avant, c'était des tirailleurs sénégalais, on a parlé d'esclaves, on a parlé aussi d'immigrés. Et sur le plan institutionnel aujourd'hui, quand on voit par exemple sur le plan de l'emploi, on ressent par exemple une petite discrimination. J'ai toujours évoqué un travail auquel j'ai participé, qui était une enquête commanditée par une faculté de la place, et qui voudrait savoir ce que sont devenues les 10 dernières promotions de cette faculté, donc d'une étude donnée. Donc quand on a participé à cette enquête, on s'est rendu compte que parmi les diplômés de cette faculté, tous les étudiants d'origine africaine n'avaient pas pu trouver de l'emploi sur cette branche donnée. Et quand on a inséré ça dans l'enquête, les commanditaires de l'enquête nous ont demandé d'enlever ça parce qu'il y avait des raisons institutionnelles ou politiques derrière. Donc ma question, c'est de savoir exactement que vaut exactement la présence africaine aujourd'hui en Aquitaine et en France de manière générale. Merci. Monsieur. Non, merci. C'est une question qui rejoint aussi une partie de la question que Bala a posée sur l'existence de chapelles et puis ou absence de dynamique collective, etc. Moi, je veux dire, il me semble que lorsqu'on s'interroge justement sur les obstacles que les personnes identifiées comme étant des personnes noires, ou aller encore plus loin que les personnes etc., on se rend compte qu'il y a, c'est par rapport à la dernière question, qu'il y a des difficultés qui sont liées, qui sont documentées. Les discriminations ethno-raciales ont été documentées. Sur le racisme, ça a été documenté. Il y a des lectures, certes différentes, selon qu'on soit. On pense que le racisme, c'est un virus, c'est dans les gènes, etc. Selon que l'on pense que
le racisme, c'est quelque chose qui, de l'ordre de la construction sociale, etc. Et qu'il y a un système, c'est systémique, le racisme institutionnel, structurel, le racisme systémique. Et donc, les voies et moyens qu'il faut mobiliser pour combattre les discriminations et le racisme. Et il est clair que lorsqu'on fait le tour de ce qu'on pourrait appeler les organisations de façon générale qui sont censées représenter les Africains ou les Noirs, on est effaré. Notamment quand on parle de la loi immigration, machin, tout ça, on est effaré de l'absence totale de réflexion. Je ne parle que de réflexion. De réflexion, je ne parle pas d'action, je parle de réflexion sur des questions aussi importantes que celles-là. Mais ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire que nos associations respectives, je pense à... Lorsqu'on regarde aujourd'hui une association qui est très importante, qui s'appelle l'Union des travailleurs sénégalais, Action revendicative, c'est une association qui regroupe entre 900 et 1200 membres, selon, etc. C'est la plus grosse association immigrée en Europe. Et malheureusement, on est obligé de constater que malgré la force plus que symbolique de cette association et malgré l'énergie et le savoir-faire que cette association a, cette association elle est absente sur des questions aussi fondamentales que ça. Lorsqu'on regarde, par exemple, lors des différents CNFSTI, les thèmes qui ont accompagné ces différents CNFSTI, on se rend compte quand même avec désarroi, avec quelquefois avec consternation, de l'absence de la prise en compte de la réalité du vécu des gens qui sont partie prenante de cette association. Et ça me paraît important de le souligner. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de, comment dire, mais de réflexion approfondie. Mais c'est pas, je ne suis pas là en train de charger l'Union des travailleurs sénégalais. Je trouve qu'il y a une bascule nécessaire qu'une association aussi remarquable, aussi sympathique, etc., doit faire pour prendre en charge, comme avec ses propres moyens. Et avec ses propres moyens, tout ça. Des questions aussi importantes que la question aux discriminations, que la question, que les questions relatives à la loi sur l'immigration, etc. C'est-à-dire que jusque-là, c'est l'invisibilité de la présence africaine sur notre territoire, elle se lie aussi dans le fait que ce sont d'autres qui parlent à la place. Même si ces autres-là le font de façon sincère, etc., etc. Il n'y a pas encore de confection d'une parole autonome. C'est ça le vrai débat qui est posé à travers la question que Bala pose et que vous posez aussi. Ça dit que, on a toujours été... protégés, entre guillemets, par les autres, que ce soit, même si les autres sont, je pense à la situation de solidarité avec les travailleurs, l'ASTI, avec les travailleurs immigrés, je pense à d'autres associations qui ont réalisé des choses quand même concrètes en direction des travailleurs immigrés, et notamment des Africains et tout ça. Mais sauf que, la grande difficulté qu'on a,
de ce point de vue-là, ici, sur notre territoire, c'est de produire quelque chose, de confectionner quelque chose qui est de l'ordre d'une parole autonome. Mais, parce que la confection, justement, d'une parole autonome, c'est aussi une bagarre de légitimité. C'est aussi une bagarre de légitimité. C'est une bagarre de légitimité qui, sous le couvert d'avoir découvert la Lune, sous le couvert d'avoir été le tout premier, ce qui est complètement fou, est-ce que quelqu'un parmi nous a inventé la Lune, a découvert la Lune, a découvert le combat, le meilleur moyen de combattre? Non, ce n'est pas possible. Tout ce que nous racontons les uns et les autres a un background au pire de l'expérience des autres, de ce qu'ils ont fait. Les générations successives reprennent le flambeau et conversent entre elles, etc. Sur la base, améliorent, discutent de l'air et tout ça. Ça, ça me paraît important. Mais avoir une vision exclusive du combat, une vision exclusive de la légitimité de quelques scientifiques, je ne sais pas quoi, tout ça, ça me paraît vague. Et donc, moi j'en ai vu dans l'histoire des chapelles, je ne sais pas qui pourra un jour, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, faire en sorte que l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, de quelque horizon qu'ils soient, puissent se retrouver et discuter, échanger sur les enjeux véritables auxquels sont confrontés les diasporas africaines ici. Ça me paraît important. Et bien sûr que il y a des associations, il y a des trucs et tout ça, mais tout ça c'est très intéressant. Ce sont des initiatives qui sont... Mais parce que dans d'autres expériences, notamment dans le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, tout ça, dans d'autres expériences, mais les gens, ils s'en mêlent. Mais bon, bien sûr qu'il y a des divergences. Mais il faut que ces divergences, quand même, qu'elles soient discutées publiquement, mais ce que je disais tout à l'heure du champ académique par rapport aux études post-coloniales et décoloniales, c'est des invectives, quoi. C'est des raccourcis, c'est machin, etc. Et c'est vraiment... C'est pas intéressant, à mon avis, ça bloque. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Bala, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut arrêter. Je prends un seul exemple. Sur le plan institutionnel, parce que c'est la question, les institutions qui sont là, dans le champ, est-ce que, à part les élus, et les élus, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle et tout ça, les élus, mais qui sont battus, etc., etc. Et les institutions qui font fonctionner la République, etc., avec des commissions paritaires, avec des trucs et tout ça, est-ce qu'on a des gens qui sont issus des diasporas africaines qui représenteraient on va me rétorquer que les institutions de la République sont aveugles à la couleur, mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Les institutions ne sont pas aveugles à la couleur.
Mais toutes les autres couleurs, toutes les autres nuances sont représentées, sauf les noirs. Il y a un souci. Est-ce que la constitution Louada a favorisé l'intégration du peuple noir sur l'Europe? Louada, est-ce que ça va de cette centre constitution? Est-ce qu'elle a favorisé plus facilement l'intégration du peuple d'Afrique sur la terre, sur l'Europe? Je ne sais pas. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Je suis Sylvain Racon, enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne qui porte cette chaire, je tiens à préciser, petite guerre de chapelle entre deux universités, donc c'est bien l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors, il n'aura échappé à personne qu'il y a une très grosse actualité, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Et en fait, bon, cette remarque, c'est juste pour montrer un peu la complexité en fait, de l'articulation, en fait, à cette identité ou cette conscience noire ou africaine qui s'articule de manière très complexe avec des identités issues d'un pays d'origine, etc. etc. Je ne sais pas quelle équipe tu soutiens, en tout cas moi j'ai choisi mon camp, par exemple. Maintenant, la question elle porte, vous avez présenté avec une trajectoire très intéressante, assez historique, et là c'est le géographe hélas qui parle et qui porte un axe alimentation sur cette chaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer en fait sur une espèce de géographie des lieux à l'échelle de Bordeaux, une géographie des lieux de sociabilité, mais des lieux de sociabilité liés à l'alimentation en fait. Vous avez parlé de l'aigle, j'ai l'impression que au cours de l'Isère, vers les Capucins, voilà, il y a une espèce de centralité du commerce dit ethnique, etc. Voilà, est-ce que vous pourriez apporter quelques éléments de précision sur cette dimension-là? Merci. Je suis Bordeaux, mais bon, je pense que sur le commerce dit ethnique, il y a aussi les Capucins qui jouent un rôle, le marché des Capucins et tout ça. Et, parce qu'il y a une tradition quand même autour des Capucins, de la petite Espagne, avec la rue La Fontaine, tout ça. Un peu le début de la ville de Bègle, et la rue de Clébert et tout ça. Mais il se trouve quand même que les Africains qui se sont installés, les premiers migrants africains qui se sont installés, comme je l'ai dit dans le premier bloc, se sont installés dans les quartiers Saint-Pierre, Saint-Michel, etc. etc. Mais relativement à proximité des quartiers qu'on a appelé le ventre de Bordeaux, etc., etc., parce que c'était un marché, tout ça. Et il y avait aussi. Mais il est vrai que les premiers commerces, qui sont installés chez lui et les Gentrac et puis autour. Pour le Lisère, il n'y avait pas vraiment de commerce en tant que tel, sinon il y avait des restaurants ivoiriens, sénégalais, qui ont fermé, enfin, mais la géographie, c'est vrai que sinon c'était il y en avait autour du marché de l'échauffement, mais il y a très longtemps, etc. Mais essentiellement si on trouve là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'apparition, à quel moment ces commerces, le commerce dit ethnique africain, machin, est arrivé à Bordeaux. On est à début des années 80. Et d'ailleurs, c'est deux frères qui étaient là,
Ruyen et Jean-Tract qui ont commencé, etc. etc. Et voilà, après, il y a eu un Guinéen, rue des Monnieux aussi, il y avait un Guinéen, etc. Taxi Brousse, rue. Oui, non, mais Taxi. Oui, non, mais Taxi Brousse, c'était pas un commerce. Rue Bian. Taxi Brousse, c'était un peu la base des gens comme moi, d'abord. Et Bouyambaï, Dramé, Ibassau, etc., etc., des gens qui, Pabnao, etc., etc., des gens qui, avec d'autres, des Congolais, tout ça, des amis de l'époque, qui c'était le début de l'émergence de quelque chose qui a été très important, c'est-à-dire des musiciens africains, etc., etc. Et si vous avez l'occasion de voir le film de Mohamed Saleh Haroun, qui s'appelle World Africa, qui est sorti en 1995, il s'appelle World Africa, il montre de façon extraordinaire ce qui s'est passé. C'est le Bordeaux où les gens, etc., ont commencé à l'époque, Souleymane Diamanta était tout jeune. Il y avait les Ringo, les Faela, etc., etc. Et c'était extraordinaire comme dynamique. Mais vraiment. Mais, et encore une fois, cette dynamique-là n'a pas été soutenue par les autorités locales. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Seul quelqu'un qui s'appelle Patrick Duval, qui est responsable du monsieur de Palmer, a toujours accompagné, etc., cette dynamique-là. Les autorités, et il faut dire quand même que Dingo Efua Ela a son groupe, a représenté la région Aquitaine au printemps de Bourges. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Et donc, on va dire une relative visibilité des Africains, elle s'est déroulée avec les musiciens et avec les commerces, mais qui ont quasiment tous périclité et qui ont été remplacés par les Pakistanais, par les etc. Et pourquoi? Pourquoi il faut s'interroger? Pourquoi les restaurants africains ne marchent pas, pourquoi, etc., etc. Et c'est des questions intéressantes qu'il faut aller poser aux gens qui ont ouvert les restaurants. Merci Marval. Moi, je voudrais juste intervenir sur un aspect sur lequel je ne suis pas trop d'accord avec vous. Quand vous parliez de cette discrimination, en tout cas institutionnelle, il y a même des exemples qui ont été donnés sur des études. On sait comment une étude est délimitée dans un champ bien défini. En tout cas, l'expérience, moi, que je veux apporter, c'est de donner comme une petite lueur d'espoir pour dire que les choses évoluent dans le bon sens. Et ayant aussi, étant témoin, en tout cas dans une institution, d'ailleurs, il y a une des élus qui est là, très discrète, mais étant dans cette institution plus d'une dizaine d'années, je vois comment aujourd'hui, dans cette institution, l'ADD, des gens qui portent des noms de Mohamed, de Kader, de Sidiki, pour dire que des fois, que par notre expérience personnelle, on peut s'interroger sur une analyse trop généraliste. Certes, il y a des difficultés dans certaines institutions, mais dans d'autres, on voit quand même comment ces institutions sont représentées par la morphologie sociétale. Absolument. Et juste pour terminer, on parle de la divergence des associations. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment ces acteurs individuels qui essaient de diriger ces associations, comment programment-ils leur projection dans la société française? Il y en a, il faut le dire ouvertement. Et c'est logique. On vient utiliser un cadre social, politique, un cadre de masse pour protectionner sa légitimité. Et
Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit chercher le pourquoi des divergences de nos associations, allons voir d'abord les trajectoires segmentées et ces individus qui veulent être à la tête des mouvements. Merci. Non, mais juste pour ça, juste là-dessus, sur le premier niveau de sur les institutions, sur la reconnaissance, etc. Il est clair, non, mais moi je ne parlais pas des municipalités, je fais une distinction entre le travail que certains, je pense par exemple à Malik Sen, le travail que Malik Sen a réalisé sur ce nom, qui a porté ses fruits, ça c'est incontestable. Mais ça participe aussi à la fois de la mairie, du maire ou des maires, mais ça participe aussi de l'action, de l'activité de la personne de Malik Sen. Ça me paraît important. Et c'est vrai que Malik Sen a ouvert mais beaucoup de possibilités d'action, etc. Et ça, il faut le souligner. Mais d'autres aussi, mais je ne parlais pas des municipalités et tout ça. Il y a un contre-exemple, c'est-à-dire qui est quand même assez flagrant de ce point de vue. Ibrahim Gueye, qui était conseiller municipal à Pessa, le jour où la majorité municipale a changé, les rencontres africaines de Pessa se sont arrêtées. Mais c'est la folie, quoi. Et il n'y a eu aucune espèce de mobilisation de qui que ce soit pour que le nouveau maire de Pessa puisse comprendre le sens d'une telle manifestation et l'intérêt d'une telle manifestation pour sa commune et puis pour l'agglomération de façon générale. Moi je ne parlais pas, bien sûr que mais tu as raison de préciser quoi. Et donc, on va prendre une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question. Bonjour Marc. Bonjour. On a parlé d'invisibilité. Aujourd'hui, quand il s'agit de vendre dans la publicité, dans le marketing, le noir vend très très bien. Télévisuellement parlant, il vend très très bien. En revanche, quand il s'agit de visibilité par rapport à la reconnaissance sur le terrain, du noir, c'est plus difficile, c'est plus... Je pense qu'on se confronte plus à un mépris. Alors, aujourd'hui, quand Marc, tu dis, les noirs sont représentés par d'autres qui le font à leur place. Effectivement, tu parlais des travailleurs sénégalais, l'union des travailleurs sénégalais. Mais pour venir se bouger, il faut avoir cet esprit d'appartenance. Ils sont où les lieux mémoriels? On est dans le musée d'Aquitaine. On a cette ville, on a de très beaux immeubles, des hôtels particuliers. On oublie comment elle a construit par la traite négrière cette ville qui a fait ce commerce triangulaire. Aujourd'hui, nos jeunes dans les quartiers populaires, ils ont besoin de quoi? Ils ont des besoins de points de repère. Ils ont besoin de comprendre pour avoir ce côté appartenance dans la cité. Mais si derrière, on est mieux là-dessus, si on derrière, quand tu dis tout à l'heure, il y a des clochers, oui, il y a des individualités, chacun, effectivement, de par son expérience, de par sa structure, tout le monde ne peut pas se mettre d'accord. En revanche, il y a des points de convergence. Il n'y a pas un peuple noir, il y a des noirs. Il n'y a pas. C'est pas homogène, c'est hétérogène. En revanche, on peut se retrouver face à un petit mépris de l'histoire, malgré tout. Aujourd'hui, il y a une association qui porte un projet sur lequel les pouvoirs publics ont tous donné leur aval.
pour ne pas la nommer, la nommer, c'est le mauvais partage. On peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer. En revanche, elle porte un projet. C'est un projet qui va donner lieu à un lieu qui va s'appeler Maison Esclavage et Résistance. Enfin, les gens pourront se retrouver, s'apaiser, comprendre, construire du réseau. Aujourd'hui, un jeune de la quartier populaire, il est livré à lui-même. Il ne sait pas qui il est pour lui. Son appartenance, il ne l'a pas. Pas évident. Je pense que c'est sur le lieu mémoriel dans lequel tout le monde peut se retrouver de manière à apaiser les consciences et grandir tous ensemble. Et c'est des lieux communs qui n'appartiennent pas qu'aux Noirs. Ils appartiennent à tous parce que depuis 2012, l'esclavage est un crime contre l'humanité, donc c'est commun. Comme la Shoah. On a des lieux mémoriels de ce que ces populations de culture ou de confession juive ont subi. Ça nous appartient à tous. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que dans l'espace aussi, on prenne conscience qu'il faut qu'on se bouge davantage, tous au plan, autant plan que l'on est, qu'on oublie un peu nos égos, nos aigreurs, nos divergences. Il y a un point, c'est nos enfants, nos petits-enfants, qui puissent être apaisés et se sentir concernés par la cité. Ce n'était pas une question, c'était plus, je pense, un constat général. Et merci pour toutes ces idées, toutes ces paroles, et à tous. Et c'est pour la jeunesse surtout. Bon, je tiens à remercier l'ensemble d'abord Marc pour son exposé. Et j'étais aussi à remercier le musée d'Aquitaine qui nous a offert l'opportunité encore une fois de partager et d'échanger ici sur une question très importante et qui va certainement, je crois que le débat il ne va pas s'arrêter d'ici, il va continuer. Et c'est le sens même de nos échanges, c'est qu'il continue et qu'il puisse ouvrir aussi sur de nouvelles questions, sur de nouveaux lieux. Je tiens à remercier l'ensemble des collègues de l'Université Bordeaux-Montaigne et de l'Université de Bordeaux qui ont fait le déplacement. Parce que pour rassurer Njika, il y a la recherche qui se fait sur ces questions. C'est vrai qu'en France, on a accusé beaucoup de retard, notamment sur la question décoloniale ou post-coloniale. Mais depuis une dizaine d'années, il y a des chercheurs qui se sont mobilisés sur ces questions. Il y a des productions scientifiques, il y a des jeunes chercheurs qui sont formés aujourd'hui pour aborder sans tabou certaines questions qui jusque-là présentaient, disons qu'on regardait avec beaucoup de distance. Et les études africaines, c'est vrai, Bordeaux a quand même été un lieu important des études africaines, notamment pour les juristes, les économistes. Bordeaux a une vieille tradition dans la formation des juristes et des économistes africains, et même des anthropologues et des historiens. Le Centre d'études d'Afrique noire a quand même fait toute la richesse de Bordeaux et des sciences humaines en France. Donc il y a un travail qui se fait, qui va continuer avec les nouvelles générations, c'est juste pour vous rassurer. Et donc je remercie encore l'assistance. Nous aurons encore une ou deux conférences ici. Vous aurez le moment venu une invitation. Et je vous remercie vraiment de tout cœur d'être venu et d'avoir pris un peu de votre temps. Merci et bonne soirée.